Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce premier reportage de Coaster Actu où vous aurez la chance de découvrir les deux nouvelles zones de Walibi Belgium. Monsieur Jean-Christophe Parent, bonjour, directeur du parc Walibi. Quelles seront les nouveautés cette saison 2019 et surtout attendues ? Alors, cette année, nous allons créer deux zones. Une première qui s'appellera Karma World, dans laquelle nous aurons un erratic dark ride, c'est-à-dire un dark ride avec des mouvements aléatoires. Et puis nous aurons la zone Fun World qui est dédiée aux enfants, dans laquelle nous aurons un petit coaster qui s'appellera Fun Pilot. Quelles seront les dates d'ouverture de ces deux nouvelles attractions ? Alors, la date d'ouverture n'est pas encore précisée, mais comme vous le savez, nous ouvrons généralement à l'horizon du printemps 2019, et donc elles seront ouvertes à cet horizon-là. Que proposera la nouvelle offre Eureka du Karma World? Alors dans le Karma World, comme on est en pleine zone orientant-indienne, on aura plutôt des saveurs indiennes, poulet tikka masala, poulet Mumbai, donc véritablement des saveurs qui viennent de l'Inde. On veut absolument que nos visiteurs soient dans une expérience totalement immersive, que ce soit au niveau des attractions, au niveau de la restauration et au niveau des boutiques. Et c'est pour ça que vous allez plutôt retrouver des saveurs indiennes. Beaucoup de nos fans ont réagi à la photo montrant la nouvelle couleur du train du Cobra et se demandent si Walibi prévoit un nouveau train par la suite, comme à Walibi Hollande par exemple. Alors la question s'est posée, nous sommes toujours en réflexion par rapport à cela et il faut bien imaginer qu'avant la première phase d'investissement, le remplacement du train ne se fera pas. Ça signifie que donc dans une seconde phase d'investissement qui aura lieu certainement après 2023, cette question totalement pertinente se reposera. Plusieurs personnes ont réagi à l'absence de l'option Bellward avec l'abonnement. Pourquoi ce changement ? Bien, je crois que Bellward et Walibi ont des destinées un peu différentes et donc nous en avons discuté ensemble avec le directeur de Bellward et nous avons statué sur le fait que Bellward avec son nouvel aquapark devait pouvoir reprendre quelque part son indépendance.